Et bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est JulesZ. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous préviens qu'il y aura énormément de mises à jour sur ma chaîne. Maintenant il y aura mon frère qui fera des vidéos sur cette chaîne là, parce qu'on a atteint les 200 abonnés, c'était un peu vraiment le top du top. Quand on sera 250 abonnés, il sortira sa première vidéo sur ma chaîne, ça sera vraiment un gros événement. Et go les 250 abonnés, ça fera vraiment trop plaisir les gens. Du coup j'ai regardé dans ma vidéo précédente, créer un bot et tout, un vide tracker. En à peine 27 minutes, j'ai déjà eu 32 ou 31 vues. Je sais plus trop, mais franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Vous êtes énormément à me suivre. Ça fait vraiment trop plaisir. Voilà. Donc, mon serveur d'ailleurs, il est déjà à 107 membres. Hein. Je vous mettrai un. Je pense que je mets en description. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo-là, c'est pour un petit tuto. Un petit tuto perso pour avoir, comment dire. Voilà, un petit tuto pour plus en fait. Le tuto, c'est pour. Comment vous dire ça en fait. Le tuto, c'est pour. Allez, comment vous dire ça? Allez, bon, je vais vous dire un petit peu, mais en fait, le tuto, c'est pour améliorer vos vidéos, vos qualités de vidéos et tout. Donc, voilà, donc c'est pour améliorer vos qualités de vidéos et tout. Donc, voilà, voilà cette vidéo-là, bon, bref, c'est pour améliorer les qualités de vos vidéos. Voilà, c'est vraiment très important. Désolé, il y a eu une petite coupure pour raison personnelle, les gens. Donc, désolé encore une fois. Donc, du coup, on continue pour la vidéo. C'est pour en fait, améliorer vos vidéos, voilà. Pour vraiment les améliorer, alors comment les améliorer vos vidéos, c'est vraiment très simple. Alors, pour améliorer vos vidéos, en fait, il y aura, par exemple, pour avoir un écran de fin. En fait, où il y a un bouton abonné, une vidéo que vous avez mis précédemment, une vidéo que vous voulez mettre, vous pouvez choisir. Voilà, on va voir tout ça. Et mettre même une miniature. Excusez-moi, j'ai un peu crié. Et même mettre une miniature, donc c'est vraiment très important. Voilà. Donc, on va du coup bientôt commencer, voilà. Voilà. Donc on va bientôt commencer hein. Donc on se trouve derrière quelques secondes. Parce qu'en fait ça par contre on peut le faire sur PC. Si vous êtes sur PC tant mieux. Mais sinon moi je vais le faire personnellement sur Google Chrome. Parce qu'en fait sur téléphone eh bien nous pouvons pas sur pour aller enfin comment dire, on peut pas directement le faire sur l'application. Voilà. Nous sommes obligés d'aller sur le site Studio YouTube ou un truc comme ça. Voilà. Bref, on se retrouve dans quelques secondes. Et allez. Juste avant d'y aller, voilà, c'était juste pour vous montrer que voilà, on peut pas vraiment y aller. Donc moi, regardez, je vais aller dans ici, dans vidéo, on peut pas directement. Donc voilà, j'ai mis juste une vidéo, voilà, il y a eu 33 vues, encore 2 vues de plus depuis tout à l'heure. Voilà, donc, je fais d'ailleurs une pause de au moins 10 minutes, hein, à cause de problème, voilà, un petit problème. Sinon, voilà, il y a des vidéos, donc il y en a déjà là, 2, je vais pas trop vous spoiler, c'est juste un peu la miniature, mais voilà. Donc voilà, vous ne pouvez pas du coup mettre, personnaliser un peu vos vidéos, comme on va dire. Donc là, il y a le YouTube Studio, nous allons directement y aller. Ça va vous ramener, donc soit vous installer l'application. Donc personnellement, je sais pas si je vais le faire, je vais tester, mais personnellement, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur YouTube Studio, sur l'application, vous avez aussi des options que vous n'aurez pas. C'est pour ça que là, nous allons directement aller sur Google Chrome et taper YouTube Studio. Et nous revoilà, nous allons directement taper YouTube. Merde, pardon. YouTube Studio. Voilà, YouTube Studio. Vous tapez YouTube Studio et là vous allez directement. Donc là voilà, nous on s'en fiche un petit peu de tout ça. Donc nous on va directement taper le premier, je crois que c'est celui-ci. Donc on tape le premier. Voilà, on va aller dans le premier. Après vous pouvez directement aller sur YouTube. Vous faites mode PC, donc voilà. Pour faire mode PC, vous allez directement sur les trois petits traits et vous mettez version pour ordinateur. Donc moi, c'est directement par défaut parce que je l'ai mis en défaut. Voilà. Donc voilà, donc là, voilà, on est à 200 abonnés. Voilà, on a 12 plus abonnés de, au cours des jours. Voilà, donc voilà. Voilà, c'est là que vous pouvez voir toutes vos analyses. Donc sur l'application, vous avez des choses que vous avez des choses que vous pouvez pas avoir. Et vous avez des choses que vous n'avez pas. Voilà, voilà. Donc là, voilà, j'ai vraiment énormément eu de vues. Donc vous avez énormément d'accès. Vraiment énormément d'accès. Donc là, c'est ma dernière vidéo que j'ai faite. En 2h21. Ok, non, ok, c'est autre chose. Mais voilà, classement. Bon, après, voilà, donc mise en garde, ça c'est quelque chose de personnel. Mais voilà. Donc après, voilà, il y a plusieurs choses. Je vais un peu tout vous montrer. Voilà. Nouveautés, donc ça c'est pas utiliser votre chaîne studio, ça j'ai pas vraiment trop vu parce que en fait ça fait énormément longtemps, pas très longtemps que j'utilise ça, vite ça bug un peu trop avec mon tel, donc c'est pour ça que ça bug un peu. Donc du coup nous allons directement aller sur les celui-ci en fait, vous allez donc soit ici, donc vous allez directement là, donc ici vous avez plusieurs choses, donc je sais pas si sur l'application il y a tout ça, mais voilà.
Donc nous allons directement aller. Donc c'est pas là qu'il faut y aller, mais c'est dans monétisation. Donc monétisation, c'est pour avoir de l'argent. Il faut aller à 1000 abonnés si vous voulez avoir 1000 argent. Donc enfin de l'argent, voilà, si vous voulez que votre vidéo soit monétisée par vue et par abonné, plus vous avez de vues, plus vous avez d'argent par voilà, par exemple par mois 5 euros. Voilà, donc ça pourrait financer un peu mes vidéos, mes grosses vidéos. Bref, nous c'est pas ce qu'on veut chercher. Nous c'est personnaliser nos vidéos. Donc nous allons pour les personnaliser, pardon, vous allez dans vidéo, dans contenu du coup, qui s'appelle. Donc, alors, vous avez diffusion direct, voilà, enfin après vous avez des catégories. Donc là moi exemple je peux faire ça. Donc le petit crayon, c'est là que vous allez modifier. Après il y a analyse, commentaire, et là je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais vous savez quoi, on va directement aller mettre une petite vidéo. Voilà, je vais mettre la vidéo que j'ai mis il y a 2 minutes, hein, on va mettre ça. Donc là vous faites sélectionner des fichiers directement. Sélectionner des fichiers. Fichiers vous faites. Là vous patientez. Donc là c'est des vidéos que j'ai faites. Donc je vais pas la mettre, mais on va mettre celle-ci qui fait 38 minutes, la première que j'ai mis je crois. Donc là il y a. Donc si on va en bas, là, donc vous attendez que ça charge. Hein. Ça va charger. Voilà, donc là voilà, ça vous met ça. Donc, très important, là il faut attendre, enfin vous pouvez faire les modifications, mais avant de passer à l'étape suivante, il faut attendre que là ça soit à 100%. Voilà, traitement à 100%, voilà, pour l'HD, pour tout. Donc là, donc, je vais commencer de haut en bas, donc déjà. Donc après, je vais pas vous expliquer, vous savez comment on met un titre et une description. Donc la miniature, c'est ça. Donc soit vous prenez les miniatures proposées, donc il y en a 3. J'en ai déjà pris 2 dans mes 2 dernières vidéos, voilà, que je n'ai pas pu en créer, à cause d'un problème technique d'une application. Maintenant, donc vous allez importer une miniature. Là voilà, il y a, donc là je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais imaginons, on va prendre ça, ce logo. Donc on va prendre ce logo, imaginons, voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Imaginons, on prend ce logo. Donc voilà, donc là pour que, alors c'est vraiment très important. Donc voilà, après vous avez plus de 10, donc ça, on s'en occupe pas trop. Donc audience, alors là audience, c'est pour que en fait les commentaires oui ou des commentaires non. Alors si on mettait oui, elle est conçue pour les enfants. Ça, il faut vraiment pas, parce que imaginons. S'il y a un caractère, par exemple, je dis un gros mot comme ta gueule ou en bref, voilà, et que vous dites elle est conçue pour les enfants, alors que les, imaginons, un moins de 3 ans et tout va répéter ça à tout le monde, donc ça serait pas pour les enfants. Et du coup, déjà, on peut pas mettre de commentaire si c'est oui, c'est pour les enfants. Donc si on met n'est pas conçu pour les enfants, ça veut dire que tout le monde pourra regarder, même bon, les petits, mais ils vont pas aller regarder évidemment notre vidéo normalement. Donc là, ça vous met évidemment défini par vous, voilà. Parce que des fois, ça peut être par défaut, mais il vaut mieux pas le mettre par nous, voilà. Donc après, il y a autre option, donc ça, je n'y touche pas trop. Mais si vous avez un vocabulaire communautaire, donc vous le mettez, voilà. Donc nous, on va tout mettre, hein, pour que vous voyez un peu tout ça. Donc, tag, donc ça, vous pouvez ajouter une tag. Donc ça, c'est pas d'ailleurs pour ajouter un tag, maintenant c'est apparu. Donc là, voilà, c'est langue. Donc là, vous pouvez faire des sous-titrages, voilà. Donc moi, c'est en français personnellement, mais je fais pas de sous-titrage. Date, l'heure d'enregistrement, donc voilà, vous pouvez rajouter des petits trucs comme ça. Des voilà, donc moi je viens de le faire pour une vidéo, voilà, où il y aura, on verra ma tête, et voilà, bref. Ou peut-être qu'on verra pas. Autorisation l'intégration est publiée dans le flux. Ça, je sais pas vraiment trop ce que c'est, mais vous avez une licence, donc Creative Commons Attribution. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est la différence, on va mettre celle-ci personnellement. Enfin, personnellement, d'habitude, je mets L, hein, licence YouTube standard, mais là, je vais mettre Creative Commons de Advent, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, après, vous mettez dans la catégorie, donc, ah, d'ailleurs, je savais pas qu'il y avait ça, donc ça a été aussi rajouté. C'est pour ça que je voulais vous montrer aujourd'hui cette vidéo-là, parce qu'il y a énormément de mises à jour dès que je fais cette vidéo-là, voilà. Donc, là, on va mettre divertissement, parce que c'est un petit divertissement, cette vidéo-là. Donc, voilà, hop, vous avez commentaires et avis. Donc, là, c'est vraiment très important, s'il y a des commentaires qui sont pas appropriés, vous pouvez faire vérifier les commentaires, bref, voilà, vous avez un peu tout ça. Donc là, on arrive à la fin. Donc si vous avez tout ça, donc là, on remonte. Donc si vous êtes sur PC, ce sera trois fois plus pratique. Donc là, on voit la vidéo, et ça donne 2 minutes, et vous pouvez vérifier la vidéo, voilà, etc, etc. Voilà, donc là, on va faire stop, pas qu'il y a trop de bruit, mais voilà, etc, etc. Vous pouvez donc faire le titre, donc pour le moment, je vais laisser ça, ça on s'en fiche, après, c'est pour le tuto. Voilà, donc on fait suivant. Et c'est là pour personnaliser, c'est là le mieux pour personnaliser votre chaîne. C'est là que votre chaîne va être 3 fois plus personnalisée. D'ailleurs, j'ai trouvé cette méthode il n'y a pas très longtemps. Alors qu'avant, on ne pouvait pas, voilà, sans mobile. Donc, là, voilà, vous avez plusieurs modèles.
Voilà, vous avez plusieurs modèles. Alors personnellement, ça va mettre le mien normalement, donc soit ça va bugger, soit ça va... Voilà, le mien, voilà, importé de la vidéo de la dernière vidéo, donc ça c'est le mien, que j'ai créé personnellement, que j'ai modifié et tout. Donc ça c'est les deux dernières vidéos par contre, donc voilà, donc ça fait les deux vidéos ici, une vidéo là, qui est là, une vidéo là, et le bouton qui c'est s'abonner, vous pouvez mettre d'autres boutons, hein. Donc pour changer les vidéos, vous cliquez sur le truc là, vous utilisez le petit crayon. Et là vous sélectionnez une vidéo, on va prendre Among Us 3 qui n'est pas encore sorti mais qui sera à 21h je crois. Contenu adapté, spectateur, après voilà vous pouvez mettre etc etc. Donc là d'ailleurs, on va mettre donc Among Us 2, celle qui est sortie. Voilà, on va mettre ça. Donc après avec elle, bah, vous savez quoi, on va mettre dernière vidéo mise en ligne, voilà, exactement mettre ça, ça va être bien. Donc après il y a le bouton s'abonner qui est automatiquement s'abonner, afficher le contenu de la carte visibilité, ça j'avais jamais vu qu'est-ce que c'était, donc de toute façon on va tester un peu tout ça, hein. Donc après on ira sur l'application et voilà, on verra un peu tout ça, donc ça vous fait ça, puis vous faites enregistrer, donc alors faut jamais oublier de faire enregistrer sinon vous êtes obligé de tout refaire. Donc sinon après vous pouvez personnellement modifier tout pour mettre les vidéos et tout, vous pouvez mettre n'importe quel sens. Évidemment il y a des limites, voilà, des limites de dépassement, voilà. Donc après vous retournez en haut et là, donc là on a fait ajouter un écran de fin. C'est ce qu'on a fait. Donc on peut modifier. Ajouter des fichiers, c'est là le plus important. Donc enfin c'est pas vraiment le plus important mais vous faites ajouter. Et là ça vous dit qu'un petit icône apparaît sur le coin de la vidéo, sur le coin de la vidéo et en fait ça va le mettre le, voilà, l'icône... l'icône de la vidéo et voilà, donc là vous pouvez mettre une vidéo, une playlist, une chaîne ou bien un lien que vous avez choisi. Donc personnellement je vais mettre une chaîne, je vais mettre ben, j'aurais bien voulu mettre la mienne, bon des fois ça veut pas, donc là on va mettre une vidéo, donc ça... pardon, on va mettre personnellement ma vidéo, voilà, créer une commande, voilà, comme ça ça mettra, il faut mettre un petit message, donc on va mettre blablabla. On va mettre ce petit message, évidemment vous mettez un bon message, hein, que les gens voient. Donc là vous mettez l'heure, enfin le temps de minute et tout que ça va apparaître. Mince, je voulais pas faire ça, donc c'était bien celle-ci, je crois bien. Oui, c'est celle-ci. Donc là vous allez là, et du coup c'est là le plus important. Par exemple, si vous voulez que ça apparaisse à 1 minute de vidéo, bah ça va apparaître à 1 minute de vidéo. Etc, etc, et vous pouvez en mettre 3 fois, 4 fois, 5 fois si vous en voulez, et même 6 fois, et même 50 fois, je déconne, évidemment, hein. Voilà, donc voilà, ça mettra le petit icône ici, voilà, donc là c'est le nom, qu'on a mis ici, non c'était plutôt, là donc là c'est le texte, on va mettre lol, et là on va mettre le tuto YouTube, là on va mettre tuto YTB, voilà, on va mettre ça, donc là c'est voilà, donc ça va apparaître à 1 minute, donc là voilà, tuto, évidemment ça fait un espace, je sais pas pourquoi ça fait des espaces, ça m'énerve, bon on va faire voilà, donc on fait ça, évidemment vous n'oubliez toujours pas de faire enregistrer, moi c'est très important de faire enregistrer, sinon après ça vous, c'est comme tout, vous êtes obligé de tout refaire. Donc vous avez fait ça, et ce qui est bien, là vous allez pouvoir mettre soit votre vidéo, donc là c'est évidemment pour la publier, votre vidéo, et oui, donc... là, c'est vraiment un très important parce que justement, il y a énormément. C'est comme ça que je fais des vidéos en direct, alors que je la fais pas vraiment en direct. C'est en fait première vidéo. En fait, c'est premier instant vidéo. C'est un nouveau truc qu'ils ont fait d'ailleurs, voilà. Donc privé. Vous avez des vidéos privées, donc vous pouvez partager en privé, voilà. D'ailleurs, j'ai jamais fait partager. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais fait. Ah bah, vous pouvez partager par email. Bah, tant mieux, voilà. Donc, sinon, vous pouvez faire. Donc, moi, je vais mettre personnellement en privé parce que voilà, cette vidéo sera privée pour que après je vous montre et tout. Donc, vous pouvez faire non catégorisé. Voilà. Après, publier. Et publier, mais définir en tant que première. Ça fera en même temps un live. Et encore mieux, les gens, mais encore 3 fois mieux. C'est programmer la vidéo. Vous la programmez pour l'heure. Vous la définissiez comme première. Ça veut dire qu'elle sera en même temps un live. Là, vous mettez. Donc, le fuseau horaire, ça sera normalement défini par défaut, mais normalement. Ça devrait être bon. Et là, vous choisissez l'heure que votre vidéo sera mise. Il y aura un petit compteur d'ailleurs avec le définir comme première, enfin en live. Il y aura un compteur de 3 minutes, je crois. Voilà. En tout cas, donc moi personnellement, je vais pas faire ça. Je vais mettre en privé et on va mettre définir en tant que... non, on va plutôt mettre en privé. Voilà, on va mettre en privé. On va pas faire définir comme première. Mais on va faire en privé. Voilà. Donc, vous avez fait ça. Donc là, on a fait tout ce qu'on devait faire. On faisait...
Donc là, attendez. Là, blablabla. On faisait enregistrer la vidéo. Ça charge, hein, évidemment. Donc désolé pour le temps de cette vidéo, elle dure déjà 15 minutes. Voilà, c'est énorme, 15 minutes. Donc là, on enregistre cette vidéo-là. Donc là, on la voit bien. C'est celle-ci. Là, voilà, ici, là. Donc on va directement aller sur l'application pour voir de ce que ça donne. Et c'est parti. Alors, juste avant, je voulais juste vous montrer que voilà, il y a des vidéos qui sont programmées ici et une autre bah là d'ailleurs. Bah non, elle a été ajoutée il y a 2 secondes. Voilà, donc on se retrouve dans quelques secondes. Et bien, re les gens, j'espère que vous allez bien. Ouais, mais en fait, c'est pas une même vidéo. Donc vous allez dans vos vidéos. Donc ça fait mise à jour terminée parce qu'on l'a mis il y a quelques minutes. Donc voilà, donc la vidéo est sortie il y a 5 minutes. Donc elle va bientôt avoir plus de vues. C'est que voilà, j'ai pas, la notice n'est pas encore partie parce que je viens de voir. Donc là, voilà, notre vidéo Unshot blablabla est sortie il y a 9 minutes. Ah ouais, c'est pas mal, 9 minutes, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez appuyé, personnellement, je vais pas mettre le son. Ouais, de toute façon, j'ai déjà pas mis. Donc là, voilà, ça met ça. Parce qu'on appuie sur le bouton, inclut une communication. Voilà, bref. Donc voilà, là c'est aussi la licence. Licence partenité créative commune réalisation autorisée. Voilà, bon, bref, voilà, c'est un peu tout ça. Et vous pouvez liker, bon bref, voilà, c'est un peu tout ça, donc les commentaires sont désactivés. Ah, ça, je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce qu'il y a la... Ça, c'est parce qu'il y a certaines choses, après voilà, il y a beaucoup de choses et tout qui peut... Ah oui, ok, les commentaires sont désactivés parce que, en fait, la vidéo est en privé. Donc là, c'est la vidéo que j'avais faite précédemment, que j'ai repris. Donc vous allez à 1 minute, voilà, là nous sommes à 50 secondes. Et là, normalement, à gauche, il va avoir le petit bouton qui va s'afficher. Normalement, donc il va peut-être pas afficher parce qu'il va peut-être des fois voilà, on peut donc on va peut-être regarder toute la vidéo en même temps pour voir si il s'affiche quelque part. Des fois il s'affiche même si la vidéo a commencé d'il y a longtemps, donc on va quand même avancer la vidéo de 10 secondes. Voilà, on va faire ça. Hop, sachant que des fois ça peut pas venir, donc des fois ça va venir à la fin. On sait jamais, des fois ça peut venir à la fin. Des fois non. Donc des fois voilà, il peut y avoir des bugs. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Donc moi personnellement je vérifie jamais. Donc là voilà, donc là c'est très important. Alors voilà, donc oui. Ah ok, j'ai compris pourquoi en fait ça ne marche pas. Vous avez bien. Ok, donc 2 secondes. Il faut savoir que la vidéo quand elle est en privé, ça ne fonctionne pas. J'avais vu ça d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais voilà. Donc reprendre la lecture, donc nous on va là et du coup notre vidéo nous allons la mettre qui a mis un mauvais like, c'est moi. Donc nous allons la mettre en public, hein, évidemment pas très longtemps. Donc, sinon on va directement aller la mettre comme première, vous savez quoi, on va directement aller sur Google Chrome. Encore une fois les abonnés, je suis désolé que cette vidéo aura pris un petit temps, voilà, donc là on va continuer à modifier notre vidéo parce que il y a eu un petit problème, voilà. Ça peut arriver après. Ça peut arriver et puis voilà, moi j'étais pas trop voilà. Donc là voilà, on va faire public et on va la faire définir comme première, comme ça au moins vous allez voir comment c'est quand on fait définir. Donc là voilà, les fichiers et tout, ils prennent fin normalement si. Ouais, c'est ça. Donc c'est qu'en fait voilà, il fallait donc ignorer les modifications et là vous faites. Est-ce que c'est ok, non c'est en haut, c'est vrai. Donc là vous faites enregistrer et donc on se retrouve dans quelques secondes tout de suite. Et nous nous retrouvons directement sur l'application YouTube. Et du coup, notre vidéo est en comme première normalement. Nous allons reset la page. Des fois, elle peut pas se mettre parce que voilà, elle a été mise en privé. Voilà, si elle est en comme première, voilà. Et du coup, ça va peut-être vous mettre. Voilà, donc ça met un compteur de 1 minute. Donc là, il y a un chat. Hein, bon, là, voilà, donc ça m'a mis la notif évidemment. Voilà, ça a mis. Donc voilà, c'est. Voilà, donc je vais mettre juste le tuto. Pour tuto, voilà, on va mettre pour tuto, voilà, désolé pour comment j'écris, je suis pas très doué. Donc voilà, ça met ça, un petit compteur, donc là, il va falloir attendre, voilà, on peut pas avancer vu que c'est un compteur, et voilà, donc ça fera un compteur quand vous mettez en première, et du coup, bah voilà, vous avez le chat, donc bref, voilà, c'est, voilà, donc je vais mettre, voilà, on se retrouve dans quelques secondes, dans 10 secondes, quand le chrono est fini, voilà. Et bien heureux, donc les abos, nous sommes à 10 secondes, et donc là, maintenant 10 secondes, donc voilà, ça met un petit, voilà, après c'est bien ce que YouTube a fait. Donc là, d'ailleurs, le mec nous disait, on a parlé quelques secondes, voilà, à peine en 1 minute. Donc ça fait ça, et là,
pouf, la vidéo est maintenant en ligne. Et donc là, ça va, voilà, fait ça. Ça vous fait ça. Et donc là, ça fait qu'en première. Ça fait pas en direct, ça fait en première. Donc là, évidemment, ça met le chat en direct parce que c'est par défaut. Évidemment. Donc là, il y a 2 likes. Mais de toute façon, elle sera supprimée cette vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc on a une personne qui est sur notre vidéo. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve dès que la vidéo sera. Bah attendez. On va plutôt rester sur la vidéo et voilà pour que vous montre le petit trait ici qui sera voilà. Voilà voilà. Désolé pour la petite coupure. Donc, évidemment voilà, c'est une vidéo que j'avais déjà sortie, hein, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc j'ai eu un 2 likes. J'ai une personne qui me suit en vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas de personne qui m'avait parlé dans le chat en direct. Ça fait quand même 2-3 jours que j'avais pas fait de vidéo. En fait. Donc là on va observer bien. Donc on va mettre encore un écran et on va bien observer la vidéo comme vous allez pouvoir le comprendre. À moins qu'on le voit pas directement, qu'on le voit que dans le replay. Voilà, donc vous pouvez regarder la vidéo. Voilà. Donc désolé, mais pour voilà, ceux qui voulaient directement aller rapidement, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Si vous savez déjà faire, tant mieux. Mais sinon, moi je vous dis de liker la vidéo. Regardez, regardez, il y a même le truc là qui s'affiche, qui met la cloche, qui s'inscrit, un petit pouce. C'est magique ça. Et oui. Donc là, ça l'a pas fait parce qu'en fait, il faut la rediffusion de la vidéo. C'est pour ça que ça n'a pas fait, que ça n'a pas fonctionné. Il faut attendre la rediffusion de la vidéo, ça sera terminé dans après ça enfin. Donc là c'est juste une petite musique que j'avais mis, si vous voulez, on va la mettre. Ouais. Il a mis une petite musique avec moi et tout qui avait hacké le jeu. Voilà. Je vais pas mettre le son trop haut sinon vous m'entendiez pas. Donc voilà, là regardez, il y a le petit abo, le petit like là, regardez, hop. Tu mets, hop, je clique sur le like. Je clique sur subscribe et je clique sur la cloche. C'est ce que vous devez faire les gens, ça fait vraiment trop plaisir. Et nous sommes de plus en plus sur la chaîne quand je vous le dis, ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, donc là en tout cas c'est la fin de la vidéo bientôt. Donc évidemment là, voilà, donc là voilà. Donc là ça met ça. Voilà, donc ça met une vidéo. Donc là évidemment j'ai cliqué directement. C'est la vidéo que je demande tout à l'heure. Donc là, hop, on va faire ici. Donc là ça met. Voilà, 2 vidéos, le bouton s'abonner, et là, une autre vidéo, voilà, j'ai choisi variablement, plutôt quoi, bon, on va pas lui dire, mais voilà, voilà, en tout cas, ça met ça, pour après l'autre, donc ça fait une communication, et puis, etc, etc, ça fait un peu des choses, donc le nom, évidemment, c'est juste pour le tuto, voilà, donc en tout cas, ceux qui ont pu, pour voir le tuto, et ben, tant mieux, voilà, voilà, la vidéo est terminée, je vais la supprimer immédiatement, voilà. Hop, et supprimer, supprimer, voilà, on va directement supprimer la vidéo, parce qu'elle ne sert à rien. Ok, désolé pour la notif, allez, va-t'en. Re les gens, désolé, j'ai eu un petit problème pendant 10 secondes, en fait. J'ai appuyé sur stop, à cause d'un petit truc. Bon, du coup, il y aura un montage à cause de ce stop. Donc, il y aura un petit montage, voilà. Donc, en tout cas, voilà, donc j'espère que, voilà, on a vu un petit peu tout ça. Sinon, je peux vous le montrer dans mes vidéos à moi. Que j'ai fait précédemment cette vidéo là, exemple. Bon, évidemment, elle dure 14 minutes. J'ai pas envie de vous regarder pendant 14 minutes une vidéo. Donc, évidemment, voilà cette vidéo là qui a fait énormément de succès. Ah, c'est exactement au cas. Voilà, j'ai mis inclus une communication commerciale parce que, évidemment, voilà c'était une vidéo. Voilà, donc elle a eu quand même 185 vues, 2 likes en moins et 16 likes. Hyper bien, évidemment, j'avais pas dit aux gens de liker la vidéo donc. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on peut regarder encore les petites vidéos. Donc, désolé en tout cas pour ces vidéos-là. Ça dure vraiment longtemps. Donc, là, on va pas mettre trop le son. Parce que voilà, c'est un peu du montage pourri, je dis ça. Donc, là, c'est là, j'avais donné des nitros et tout. Enfin, il y a longtemps. C'était avec mon ancien compte et tout est parti. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, donc, on va directement aller à la fin. Vous allez voir. Voilà, regardez ici là. Vous avez vu le notif en nitro gratuit versus 10 invités ici. Et voilà, c'est ça qui s'affichera. Évidemment, voilà, ça s'affiche en fait. Ça s'affiche, puis en fait, ça s'enlève même si la vidéo n'y est plus. Voilà. Là, on va aller à la fin. Et là. À moins qu'il n'y a pas le truc là pour le truc, ce serait peut-être normal. Là, voilà, je disais de s'abonner et tout. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est pas un grand écran. Maintenant, on peut. Vu que c'est une nouvelle mise à jour de. Voilà, de la du site. Hein. Voilà, bref, hein, moi je vous dis, de la kiff d'eau, ça fait vraiment trop plaisir.
et moi on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais juste avant, allez, like la vidéo, ça ferait vraiment trop plaisir. J'espère que ça t'aura vraiment aidé. Franchement, je fais cette vidéo là, mais juste avant de terminer cette vidéo, donc j'espère que tu seras resté jusqu'à la fin. De toute façon, je ferai un petit montage pour que tu restes jusqu'à la fin. Il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin parce que en fait, là, cette fin là sera juste pour vous dire. Bah, maintenant, je vais vous dire. Donc, en fait, il faut vous abonner, que vous likez et que vous mettez un commentaire. Mais non, c'est pas ça vraiment la fin. Donc, la fin, c'est qu'en fait, dès les 250 abonnés, nous commencions une nouvelle vie pour notre chaîne. C'est pas vraiment une nouvelle vie, mais comment dire, c'est plus. C'est pas vraiment une nouvelle vie, mais c'est plus en. Comment dire les abonnés? Comment vous dire les abonnés? C'est plus. Comment dire? Je sais pas comment dire en vrai. Je sais pas pourquoi, mais comment dire les abonnés? En fait, là, cette fin de vidéo, c'est un peu plus pour vous expliquer comme en fait. Je voulais un peu vous expliquer, mais en fait, cette fin de vidéo, c'est pour en fait. J'ai mon frère qui, en fait, du coup, j'ai eu 200 abonnés. Et du coup, à 250 abonnés, il va faire des vidéos avec moi sur cette chaîne. Voilà, je vous aide. Il s'appellera What's the Jumpy. De toute façon, il y aura maintenant, on fera tout le temps des montages. Même si ça nous prend énormément de temps, on va essayer de faire le mieux du mieux. On va essayer de s'améliorer sur la qualité de nos vidéos. Parce que maintenant, vu que je fais avec Mobizem, ma voix change. J'ai remarqué, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas... Voilà, en tout cas, donc ça va faire énormément de vidéos en plus. Donc lui, il va être moins sur sa chaîne, hein, mais moi, je vais être plus. Enfin, je vais pas être sur sa chaîne personnellement, mais voilà. Donc la vidéo va vraiment, il y aura vraiment, donc il va sortir aussi des vidéos. Donc du montage des vidéos. Donc évidemment, je vais regarder ses vidéos de ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est accepté. Bon, après, voilà, c'est un peu ma chaîne. Mais dès qu'on est à 250 abonnés, nous sortions directement une nouvelle vidéo, voilà, donc sur la chaîne. Voilà, voilà, donc dès qu'on a les 250 abonnés, on sort direct la vidéo. Voilà, donc dès qu'on a les abonnés, ben on sort la vidéo, les gens. Voilà, bon, je vous dis, hein, on sort la vidéo. Donc, voilà, donc dès qu'on a les abonnés, et eh bien on sort la vidéo. Voilà, voilà. Donc moi, franchement, voilà, donc alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Quand la vie, donc voilà, vu qu'on a un frère et tout, vu que bon, genre, bon. Finalement, il y aura plus de vidéos, hein, voilà. Plus de vidéos, de vues, du coup. Je sais pas si vous le savez, mais plus de vues, plus de vidéos. Évidemment, vu qu'il y a plus de ça, c'est-à-dire qu'il y aura aussi plus d'autres choses. Donc, ça veut dire plus de vidéos, plus de tutos, plus de jeux gamers, et plus de montage sur Among Us, plus de jeux, plus de tout, en fait. Il y aura plus de plus. Voilà. Moi... Pourquoi je fais ça un peu? C'est un peu plus pour vous, les gens. Si je fais tout ça, c'est pour vous, pour que vous likez ces vidéos. Moi, personnellement, si après j'ai 1000 abonnés, voilà, donc si j'ai 1000 abonnés, j'aurai le commercial normalement. La catégorie sur ma chaîne. Comment vous montrez sur la catégorie, normalement, entre playlist et chaîne, j'aurai la catégorie communauté, je crois qu'elle s'appelle. Et avec cette communauté là, on pourra mettre des posts, donc je posterai des choses pour vous, hein, pour vous. Je ferai gagner des choses, donc comment dire, des nitro Discord. Est-ce que j'ai autre chose à... Ouais, il y a bien autre chose, des nitro Discord, exemple. Donc après, il peut avoir, après j'ai autre chose. Hein. J'ai trois fois plus, j'ai des cartes Google Play, j'ai du streaming, du Spotify. Bon, j'ai des preuves partout. Mais bon, c'est pas vraiment ça le sujet de cette vidéo là. Moi, en tout cas, voilà, j'aimerais bien que vous likez cette vidéo et... Ok, voilà, donc, voilà, en tout cas, que vous likez cette vidéo et moi, franchement, voilà. Donc, en tout cas, voilà, on a à 200 abonnés aujourd'hui, donc on était à 204, avec, on était à 200, ouais, c'était à 199, on a eu encore un abonné de plus, ça fait vraiment plaisir, les gens, et moi, je vous dis... à une prochaine vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter, ça fait vraiment trop plaisir, et de liker, et de vous abonner. Voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao.